Donc elle est maintenue dans le courant électrostatique et donc ensuite, on la met au faire de l'électrolyse, faut du courant. Donc les outillages sont en général en cuivre. Les pinces sont en inox, c'est un inox spécial parce qu'il doit pouvoir être détraité. Après, c'est de la SI302. Les process qu'on utilise, les process sont formés pas nouvelles, c'est très long, pas possible. Ce sont des spécialistes qui établissent ce produit. J'aime bien trouver le produit le plus adapté. Ici, comme on a mis la phase fluide, la phase cathodique, il y a l'hydrogène sur le pièce et l'oxygène sur le galon en lien. Donc l'action du dégâts de l'électrolyse, c'est surtout donc le bain est constitué d'acide chromique, contrairement à ici où il y a des anodes et du chrome, ce sont les anodes de plus en plus. Le chrome est contenu vraiment en solution dans l'acide chromique.